from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chez Action et que j'ai décidé de vous prendre avec moi. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a un petit peu dans les rayons pour les fêtes, etc. Si je trouve des petites choses, je rentrerai à la maison et je vous les montrerai. Donc let's go, c'est parti. Du coup, on se retrouve chez Action directement à l'entrée. Ils avaient déjà posé tous les sapins, donc de toutes les tailles, vous voyez un petit peu tous les prix, et aussi ces petites décorations de Noël avec un Père Noël. Je vais vous faire un petit tour des rayons en musique, je ne vais pas tout commenter. Ici, j'avais trouvé ce plateau l'année dernière en blanc avec des petits diamants au bout. Là, ils l'ont reposé en noir. D'ailleurs, c'était un miroir que tout le monde cherchait l'année dernière. Il était en rupture de stock. Ici, ce qui est bien, c'est que pendant les périodes de Noël, vous avez énormément de vaisselle et des décorations que vous ne retrouvez pas toute l'année. Donc si vous voulez faire le plein de vaisselle, de jolies vaisselles, voilà, pour les invités ou pour les occasions, c'est vraiment le moment pendant cette période-ci. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup hésité avec ce petit lot de couverts martelés dorés, mais comme j'en ai déjà plusieurs, je me suis retenue, je vous l'avais déjà dit. Ici, vous avez aussi tout ce qui est bougies, un petit peu voilà, argenté. Vous en avez des rouges pour Noël, des dorés. Vraiment, vous avez toutes les couleurs. Vous aviez aussi de nouveau ces petits chandeliers qui étaient là aussi l'année dernière en cristal. Enfin, en verre en tout cas, je ne sais pas trop si c'est du cristal, mais vous m'aurez compris. Et vraiment, ces dessous de table, vous les retrouvez que pendant les périodes des fêtes, dessous d'assiettes comme ça. Et c'était magnifique. Moi, j'en avais pris l'année dernière en rose, en doré. Donc là, pareil, je me suis retenue. Et il y avait des petites nouveautés comme ces petits œufs noirs et dorés que j'ai beaucoup aimés. Évidemment, vous avez aussi tout ce qui est art de la table, tout ce qui est chemin de table, serviette de table, nappe un petit peu dorée, vert. Il y a des matières velours, des choses brillantes. Vous aviez aussi ces petites bouillottes. D'ailleurs, j'ai hésité à en prendre une, vraiment. Pas pour le thème Noël, mais juste pour la bouillotte en elle-même. Ce que j'ai bien aimé, c'est que elle était à l'intérieur d'un tissu, voilà. Donc habituellement elles sont, vous savez, les bouillottes en plastique, elles n'ont pas de couvre bouillotte, si je peux appeler ça comme ça. Bref, j'ai bien aimé. Vous avez aussi plein de choses pour ce qu'ils appellent un petit peu, vous savez, le pull moche de Noël. Donc des pulls, des chaussettes, il y a des pyjamas et plein de petites activités justement pour les enfants pour Noël, qui peuvent servir pour les vacances de Noël, et c'est vraiment pas cher, toutes ces petites activités manuelles. Vous aviez aussi plein de choses pour faire des cartes de vœux, que ce soit pour la famille ou pour les maîtresses. Ensuite, je vous montre un petit peu ce qu'il y avait dans les rayons, même si c'est pas forcément de Noël. Il y avait aussi ces faux cadeaux que vous pouvez mettre au pied du sapin pour faire un petit effet plus joli, et beaucoup beaucoup d'ornements pour le sapin, tout ce qui est boules, guirlandes, décorations, bref, je vous montre un petit peu tout ça. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Making
visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. A good, good time. Bon, désolé pour la luminosité, j'ai fait ce que je pouvais, il fait hyper gris, pourtant j'ai allumé, j'ai ouvert tout. Mais il fait hyper gris, donc c'est le mieux que je puisse avoir en luminosité. Donc comme j'ai rien trouvé chez Action, je vais vous montrer rapidement une petite sélection que je viens de recevoir de chez Shein pour de la déco. Donc comme je vous ai dit, c'est de la déco d'automne pour la plupart. Parce que je voulais renouveler un petit peu, voilà, ma petite déco d'automne, partir un petit peu sur du orangé plus que du bordeaux de ce que j'ai actuellement sur mon canapé. Donc je vous montre tout ça, alors rien à voir, mais déjà j'ai pris un petit presse-ail, juste parce qu'il était rose, voilà, j'ai bien aimé, vous connaissez mon amour pour le rose. Donc voilà, j'ai pris un protège-matelas comme ça, alors il est hyper épais, il a un côté, en fait il est imperméabilisé, je sais pas trop comment dire, mais bon bref, l'eau elle rentre pas dedans, vous savez. Et d'autre côté c'est un petit peu matière, attendez je vais vous montrer, d'autre côté c'est matière, bah, vous savez les matières plastiques, mais pas plastique rêche, plastique doux, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris des housses de coussin vraiment magnifiques. Spécial déco d'automne. Franchement j'ai trop aimé, mais la qualité, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. La citrouille elle est toute douce et le reste c'est brodé en fait. Magnifique. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris celle-ci. Et j'ai également pris une comme ceci. Toute simple, mais pareil, brodée. Vraiment, j'ai trop aimé. Au moins, je trouve que ça fait plus... vous savez, c'est déco d'automne, mais neutre. Même si j'aime beaucoup les couleurs d'automne. Hein. Mais de temps en temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous montrer comme ça vient. J'ai pris deux lots de bougies comme ça. Vous savez, c'est des fausses bougies, mais qui font effet flamme. Et ça marche à pile, en fait. Il suffit de mettre les piles ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, j'en ai pris deux. J'ai pris pas mal de fausses fleurs. Alors ici, il y en a que je vais pas vous sortir parce qu'il faut que je laisse le coup dehors avant. Elles sont avec des petites boules. Ça, c'est une guirlande que j'ai prise. Bon, vous en trouvez aussi chez Action, vous me direz. Voilà, une guirlande comme ceci. Franchement, j'ai trop hâte de refaire une petite déco d'automne. Les gens, ils sont à la déco de Noël et moi, je vous jure, je suis pas comme les autres. Encore une autre guirlande. Voilà. Hop, c'est la même. Pour que ça fasse un peu plus fourni, j'ai pris ce magnifique bouquet. Donc, j'en ai pris qu'un. J'aurais peut-être dû en prendre deux, mais quand même, je trouve qu'il est gros quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est trop beau. Voilà, c'est une seule tige, mais plein de différentes fleurs. Trop trop beau. J'ai pris deux autres housses de coussin, pareil, pour aller un peu plus dans le thème, que j'ai trouvé trop belles, c'est exactement les mêmes. J'en ai pris deux, donc elles sont comme ça, à carreaux, beige, un petit peu nude, je trouve que ça ira bien. Hein. Regardez. J'ai vraiment envie de changer complètement de style de déco. Donc c'est en cours. Ça prend du temps. Mais c'est en cours.
Ensuite, j'ai pris, comme je vous ai dit, des petites fleurs. Des petites fleurs. J'ai pris 3 lots. Je vais essayer de... Attendez, je vais mettre un petit truc en dessous pour l'ouvrir. Parce que je sens que ça va me faire un carnage. Hop. Même eux, ils savaient que ça allait être un carnage. Ils ont mis plusieurs plastiques. En fait, il y a des petites boules. En vrai, je ne sais même pas d'où elles viennent. Attendez, je vais regarder comme ça. Je pense que vous allez pouvoir voir comme ça. Sans que je sorte vraiment tout. Voilà, comme ça. En fait, c'est ces petites boules-là qui lâchent un petit peu de boules. Mais franchement, ça va faire un trop beau bouquet parce que j'en ai pris 3. Donc, je me dis que dans un vase, ça va faire un trop beau bouquet. Couleur automnale. Les gens, ils sont déjà dans le rouge, dans le doré, dans le argenté. Mais bon, l'automne, il commence à peine, là. Franchement, il faisait hyper beau jusque-là. Nous, il commence à peine à faire gris, à faire pluvieux. Donc, écoutez, on fait en fonction du temps aussi. J'ai pris un gros plaid comme ça, pilou-pilou. Je vous jure. Vous aussi, vous sentez les films de la 6, là, l'après-midi, avec un chocolat chaud et tout ça, les films de Noël. Il est immense. Il est immense. C'est à quelle taille? Est-ce que j'ai la taille? Je regarde ici. 130, 160. Comme ça. Carré, avec des petits carrés. Il est trop doux. Mais j'ai pris que des plaids tout doux. Je vais vous montrer. Hop, j'en ai pris plusieurs parce que les enfants, ils m'avaient demandé de leur faire une petite déco d'automne dans la chambre. Et je me suis dit, pourquoi pas leur prendre des petits plaids au lieu d'en mettre plein, plein d'accessoires de partout. J'ai pris ce plaid-ci. Je vais vous montrer. Pareil, il est tout doux. C'est écrit pumpkin dessus. Franchement, il est assez grand. Hein. Bah, je crois qu'il fait ma taille. Hein. Presque. Vraiment, il est très très grand, très très beau. Voilà, avec des fleurs. Ensuite, j'en ai pris un autre. Il est comme ceci. Hop, je vais enlever celui-là. Et celui-là, je l'ai trouvé trop mignon. Vraiment trop mignon comme ça, avec plein de citrouilles, des feuilles d'automne et des petits cafés. C'est tout à fait moi. Regardez. Il est trop beau avec des petits détails comme ça. Les petits cafés, les petites citrouilles. Pareil, tout doux, tout doux. Ensuite, j'ai pris une parure de couette en effet tout doux. Vous allez me dire tout est tout doux, mais oui, tout est tout doux. Effet fausse fourrure. Franchement, je voulais trop tester. Elle est toute douce. Donc, bien sûr, vous avez les têtes d'oreiller. Il y en a 2. Toutes les têtes d'oreiller, généralement chez Chine, elles sont avec des oreillers comme ça allongés. C'est rare qu'ils aient des oreillers carrés. Et elle est hyper lourde, hein, par contre. Vraiment, elle est hyper lourde. Elle est comme ça. Toute douce. J'ai hâte d'installer tout ça. Je vous montrerai. Oh, bah par contre, ça lâche plein de... Ouh là là. Par contre, ça lâche plein de poils. Hein. Va falloir passer le rouleau dessus avant. Voilà. Bon, moi qui ai une robe noire, là, vous allez me voir avec plein de poils. Ensuite, j'ai pris un bougeoir comme ça en bois. J'en ai pris 2 d'ailleurs. Justement pour pouvoir mettre les bougies que je vous avais montrées, que j'avais achetées chez Action. Vraiment, je veux repartir sur des couleurs crème, nude, un petit peu doré mais pas trop. Et du naturel, des matières bois, etc. Vous verrez ça plus tard. J'ai pris des petites poignées comme ça, noires. J'hésite encore. J'ai envie de customiser mes tables de chevet. Et de leur mettre des petites poignées comme ça, noires. Tout simple. Voilà, petite poignée noire. Il y en a 4 dedans. Mais j'hésite aussi avec un meuble à chaussures. On verra. Ensuite, j'ai pris une petite plaque. Voilà. Pour le coin café. Franchement, elle est trop trop belle. J'ai trop hâte de l'installer, mais ça sera pas pour maintenant.
Donc voilà, petite plaque en bois. J'ai pris une petite décoration de porte. Pour quelle porte, je ne sais pas encore, mais j'ai trouvé trop belle. Peut-être pour l'entrée, on verra. Franchement, je vous ai dit, en ce moment, je suis à fond dans les matières bois. Donc, écrit « Welcome ». Et pour finir, j'ai pris deux petites planches. En fait, je voulais celle-ci, mais en grand, pour la mettre au-dessus de mon lit. Sauf qu'il ne l'avait pas. C'est écrit « This is us ». Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais moi, j'ai trop aimé. Et ici, c'est écrit « Family », avec une petite phrase en bas. Donc avec des petits crochets derrière, voilà. J'ai pris un lot de 3 chandeliers, voilà, pour les bougies. Franchement, ils sont hyper qualitatifs, ils sont hyper lourds. Je vais essayer de vous en faire un. Donc c'est 3 tailles différentes, hein. Il y a le petit, il y a le moyen et il y a le grand. Voilà, ils sont comme ça, exactement comme ça. Et comme je vous ai dit, il y en a 3, le petit, le moyen et le grand. J'ai trop aimé, simple. Classe, sobre. Voilà. Et pour terminer, rien à voir, mais j'ai repris une. J'en ai déjà 2. J'ai repris une petite. Vous avez vu, en plus, c'est trop bien emballé. J'ai repris une petite thé d'oreiller. C'est de la collection Moff. Une thé d'oreiller en soie. Parce que franchement, maintenant, je dors plus que sur ça. J'en ai déjà 2. Une beige, et enfin, c'est double face. Beige et grise. 2 beige et grise. Et là, j'ai pris celle-ci toute crème. Voilà. Franchement, c'est trop bien. C'est bon pour les cheveux. Ça empêche d'avoir des nœuds. Ça joue, on va dire, sur les ridules du visage. On a le visage moins marqué, vous savez, par les traits d'oreiller, etc. Enfin, bon, bref. J'ai repris ça. Donc voilà pour mon petit haul déco, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez comme d'habitude tous les liens et mon code promo en barre d'informations. Comme d'habitude, si un article vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus et à le mettre dans votre panier, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher si quelque chose que vous avez aimé dans ma sélection vous intéresse, vous avez juste à aller en barre d'informations. Là les enfants vont bientôt sortir de l'école, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller lancer une recette. Et je vais vous garder avec moi. Pour voilà. Le goûter, ce que je vais faire c'est je vais prendre une base de recette de gâteau au yaourt, voilà, hyper simple, et je vais aromatiser certains muffins citron myrtille, et je vais aussi faire des mini marbrés, on va dire, voilà, j'allais dire 4 quarts, mais non, des mini marbrés que je vais aromatiser chocolat vanille, toujours avec cette même base de gâteau au yaourt. Voilà, donc c'est parti. Vraiment, quand vous êtes pressé, la base de gâteau yaourt, c'est vraiment le top, ce qui va le plus vite. Et en plus, vous pouvez la faire de différentes variétés, j'allais dire différents goûts. Vous rajoutez un petit peu de zeste de citron, ou du zeste d'orange, du cacao, bref. Même en version fruit, d'ailleurs, vous pouvez mettre des myrtilles, des framboises ou des morceaux de pommes. Vraiment, vous pouvez décliner de tous les goûts, de tout ce que vos enfants aiment. Et c'est hyper rapide parce que c'est tout le temps la même base. Donc moi, j'aime beaucoup faire cette recette-ci. Et après, ajouter soit de la vanille, du cacao, peu importe, vous l'aurez compris. Ensuite, je vais venir la faire cuire à la air fryer puisque mon four fait des siennes, comme vous savez. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions sur ma air fryer. Je vous remettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées de se la procurer. Sur les air fryer, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas prendre en dessous de 5 litres. La mienne fait 5 litres. Pour vous donner un comparatif, par exemple, une pizza surgelée ne rentre pas en entier dedans. Un poulet, un petit poulet, c'est vite fait. Sinon, vraiment, il faut prendre 5 litres, voire plus. Je sais qu'il y en a qui sont plus. Mais par exemple, celle que vous trouvez chez Lidl, etc., c'est des 4 litres. Et ça, c'est vraiment pas top, surtout si vous êtes une famille de 4, 5, 6. C'est pas suffisant. Donc voilà, je vais faire cuire le tout. Donc il y a déjà, ici, c'est la Procénic, la T22. Il y a déjà un programme gâteau dedans. Mais après, vous pouvez régler selon les recettes que vous faites.
Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji cœur noir, comme ma robe. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !